J'étais en train de discuter avec Monsieur J de la pluie, du beau temps et d'ogives nucléaires. On n'enquiquinait personne. Quand soudain, on a entendu parler de la grande fête de Batnaz. Alors, je lui dis, hey, mon choupinou, tu ne m'as pas dit qu'on allait à une fête? Et là, il me répond qu'on n'est pas invité. Mais quel manque de tact! C'est pas comme si Monsieur J et moi, on attendait une invitation, non? Mais ça aurait été sympa de demander, non? Bah, c'est triste. Sérieux, tous noirs, c'est une fête ou une veillée funèbre? Vous savez à quoi je pense, Monsieur J? On devrait rendre cet endroit plus guiré. Ok, comme tu veux, allez. Oh, mon poussin! On va montrer à Bad Cervelle ce que c'est qu'une vraie fête! Parfait! Et en plus, je vais pouvoir jouer Harley Quinn! Salut à tous, c'est Dr. Kiwi et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les niveaux bonus de Lego Batman 3! Aujourd'hui, je joue Harley Quinn, c'est trop la classe! Bim! Défonce-moi ça, allez! Là, voilà, parfait! Boum! C'est vraiment génial de jouer ce personnage-là! Malin! Rien à faire de ta teuf, Batman! Apparemment, ça, c'est un niveau bonus par rapport au fait que Batman a 75 ans déjà. C'est incroyable quand même de se dire que le personnage de Batman existe depuis autant d'années. C'est plutôt classe, je trouve, d'ailleurs. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à détruire? Je vais me faire copyright. Cette musique est beaucoup trop épique. On va vouloir prendre ma vidéo. Avec ma voix cassée et tout, ça passe trop bien. Et... allez, vas-y. Boum. Et pas encore de musique. J'ai un faible pour les hommes qui savent danser et personne ne danse mieux que mon petit poussin. Oh, c'est mignon. D'accord. Milieu et côté gauche. Là. Là. Parfait. Suivant. Là, là, là. Okay. Si je m'en souviens correctement, c'est là, là, là. C'est super chiant en plus parce que pour viser pendant qu'on saute... 1, 2, 3, 4, 1. Ok. Je l'ai retenu. 1, 2... Ça c'est facile, ils sont au bord là. Je vais tricher, je vais faire comme ça parce que bon. Eh ben c'est bon, non? Yes. Oh, j'ai eu peur. Non, c'est bon, c'est Geoff Johns, c'est... Oh merde. Quelque chose Lee. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un dessinateur, cherchez pas. Alors, B. On va casser les cadeaux de Batman, voir un peu ce qu'il y a dedans. Absolument rien. J'aurai besoin de toi, Harley, je pense. Quoique. Énorme. J'ai commencé à détruire tout avec ça là. C'est trop énorme. Oh, j'ai tué quelqu'un. Quelqu'un à moi. Par contre, Geoff Johns, évidemment, est invincible. Je sais pas pourquoi j'ai Geoff, parce que c'est Jeff qu'il faut dire, mais bon. Crève. C'est pas parce que je suis le Joker que ça veut dire que je dois vous laisser en vie, bande de mimes. Pas détruire ces cadeaux-là? Oh. Par contre, il y a un bat symbole là. Je peux pas le détruire non plus. Les ballons, il va me falloir une bombe que j'ai peut-être sur moi. Non? Ah, mais bien sûr que si. Et voilà. Boum, les ballons. Soyez pas deg. Par contre, c'est vachement haut. Je sais pas comment je vais réussir à choper ça, moi. Par contre, ça, je peux le détruire. Et je ne vais pas me gêner pour le faire. Oups. J'ai pondu un œuf. Voyons voir. Là. Yes. Parfait.
On détruit tout ça, si ça veut bien. D'accord. ça marche pas comme je le voulais, mais bon. Tant pis, hein. Ouah, cette vitesse! Elle est balèze. Voyons, est-ce que tu as un laser quelque part, toi? Avec un peu de chance. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas que tu aies de laser, en fait. Je suis pas sûr, en fait. C'est ça, le truc. Non, je ne pense pas que tu en aies. Ni de détection de... je ne sais quoi. Ça, par contre, c'est quoi? C'est électrique? On dirait bien. Il y a peut-être moyen que je le fasse, ça, par contre. Boum. Voyons voir où est-ce qu'il faut aller maintenant. Oh, encore plus de mimes. Crevez. Je vous aide tous. Yes. Merci beaucoup. Le gâteau peut-être? Non. Je le mangerai si j'arrive pas à le détruire. J'aime bien le gâteau. Voilà. Allez, un petit coup de marteau, ça me ferait plaisir. Parfait, merci beaucoup. Et voilà. Voyons voir un peu. Est-ce que tu t'y connais en machinerie? Mon petit joker. Mais oui. J'adore ces costumes, ils sont super. Bim. Voilà le gâteau. Je l'ai pas mangé, mais bon. La chauve-souris n'a pas pu souffler ses bougies d'anniversaire. Oh, pauvre chou. Elle a une voix tellement agaçante. J'adore un mélange délicieux de gâteau de chaos. D'accord, si tu veux, meuf. Non, il n'y a pas moyen que je fasse ça avec l'électricité. Ce serait trop facile. Par contre, je pourrais... Non, c'en est pas ça un truc. D'accord. Ok, d'accord, ça a éteint les bas de symboles. Pas de problème. Par contre, je sais pas pourquoi ils deviennent verts quand je les éclate. Je ne comprends pas. Boum. Si tu veux. On devrait prendre des pilules, hein. Un petit Harley. Tu te calmes un peu. C'est beaucoup mieux, pas vrai? Je sais pas quoi lui répondre, la pauvre. Au secours! Ah bah je l'ai libéré! Classe! Elle était sûre. Bon, allez, tire-toi maintenant, Adam West. Avant que je te démonte. Bon, apparemment, il veut pas s'en aller, tant pis. Je vais détruire la Batmobile, tiens, pour voir. Non, apparemment, je ne peux pas. Joker, j'aurai besoin de toi. Parfait. Non, on remonte. Merci. Oups. Je suis pas sûr que je puisse le faire en fait. Est-ce qu'il faut être acrobate pour faire ça? Ouais, je crois bien, ouais. Harley, tu peux utiliser un grappin? Non, tu n'as pas de grappin, Harley. Oups. On va changer de perso. J'aimerais bien détruire cette salle au prix de Batmobile, sérieux. Elle me bouche la vue comme c'est pas possible. Ok. Ok, pourquoi pas. Je vais remonter alors. Et hop. Hmm.
Merci. C'est super sympa. Elle a essayé d'utiliser le grappin. Comme elle a pas de grappin, la place, elle m'a dégommé, quoi. Je dois être en train de louper un truc évident. Je vais le trouver. Mais il reste encore un mine. C'est pas vraiment un mime, c'est plus un clown, mais il est intuable. Ok, pas de problème. En bas, il n'y a rien d'autre à faire. Il reste juste à fabriquer cette chose, en fait. Seulement, je suis en train de louper un truc évident, je suis sûr. Oh, là-haut. Vachement bien planqué, par contre. C'est pas cool. Et c'est pas visible parce qu'il faut que je monte beaucoup plus haut, j'imagine. Fuck. Aïe. 9. Là, j'aurais pas toutes les pièces là de ce niveau si je continue à me démonter comme ça. Voilà. J'appuie là et ça fait apparaître je ne sais quoi. Ok, pourquoi pas. Il y a un truc que je loupe forcément de ce côté-là. Ça commence à devenir rageant là. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Il me faut Batman pour monter là. Ok, ça j'avais compris. Seulement, il y a ça là, là-haut. Il n'y a pas moyen que je change de costume et que je vise depuis ici. On dirait pas. Oh, d'accord. Je viens de comprendre. Je change de costume avant. Yep. Sauf que c'est pas à moi de le faire, c'est à elle. Parce que c'est elle l'acrobate. Par contre, faudrait pouvoir détruire ça. Joker, tu peux venir m'aider? Détruire ce truc là-haut, s'il te plaît. Non, il a pas envie. Fuck. D'accord. C'est un bug. Ceci est un bug. C'est magnifique. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le faire tomber. Je viens de comprendre ce qu'il n'allait pas. Je suis content pour une fois. À part le fait que je joue mal, évidemment. Mais... Fuck. Mais qu'est-ce que je fais? Il se fout de ma gueule en plus, c'est le Joker depuis tout à l'heure. Voilà. Poussin. Tranquille. Parfait. Il nous faut l'autre maintenant. Merci beaucoup. Je vais pas revenir le chercher plus tard. Je l'ai mis comme il faut. Yeah. Parfait. Changement de costume. Et voilà. Enfin. Super. Il a fallu que je change de personnage au mauvais moment. N'importe quoi. On va construire depuis l'intérieur de la boîte, ça passe. Donc si je me souviens bien, on va changer la couleur de la bagnole.
Et après, on aura fini avec ce level-là aussi. Ils sont vraiment aussi courts que ça, quoi. C'est incroyable. Yup, j'en ai. Parfait. Voyons à quoi ça va ressembler. C'est horrible. C'est faux. J'adore ton style, Monsieur J. Batman va péter un fusible. Je voudrais juste dire un truc. Il n'y aurait jamais eu de Joker sans Batman et je n'aurais pas connu mon canard en sucre. Joyeux anniversaire, Batou. Oh, oh, c'est facile de critiquer. D'accord. Bon ben voilà, c'est encore une fois un niveau ultra court. Et je crois que la musique vient de bugger. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ben, on a encore gagné encore plus de trucs. Normalement, je l'ai pas à fond. Et ouais. Mais en contrepartie, j'ai sauvé Adam West. Ça fait plaisir. Ah, il va sourire. Yes. Nice. Minikid, j'en ai eu genre peut-être 3. Ah non, 4. Ok, d'accord. C'est le bad signal. Faut pas chercher. C'est le bad signal. C'est obligé. Ok. Cool. Retourne à tour de surveillance. Eh ben, 3 niveaux d'affilée j'ai fait aujourd'hui, au cas où vous le sauriez pas, parce que vous avez vu 3 vidéos en décalé. Et j'ai jamais vu des niveaux aussi courts, c'est incroyable, je pensais vraiment qu'ils étaient beaucoup plus longs que ça, quoi. Peut-être pas celui de Man of Steel, je pensais vraiment qu'il était court, pas aussi court que ça, mais court quand même. Mais les deux autres, je pensais qu'ils étaient vraiment plus longs que ça, quoi. Mais bon, voilà, moi c'est la fin de ma session, hein, voilà, je vais m'arrêter là, je vais commencer à monter toutes ces vidéos pour vous les montrer une par une. Je vous dis au prochain épisode, dans lequel on va... Ben, faire les 3 qui manquent. 3 auxquels je n'ai jamais joué d'ailleurs. L'épisode sur Arrow, la série télé que vous devez absolument regarder. L'escadron suicide, mon portable aussi qui fait du bruit tellement il est content. Et Bizarro. Bizarro qui est une version alternative de Superman dans un monde parallèle où la Terre est carrée. J'ai pas vraiment compris le... C'est une autre dimension, faut pas chercher à comprendre. Tout simplement, voilà. Donc moi je vous dis au prochain épisode et à bientôt. Allez, ciao !